Pour améliorer la résistance de la betterave face à ses bio-agresseurs, l'ITB a mis en place un réseau de surveillance des parcelles. La sensibilité d'une soixantaine de variétés est ainsi testée afin de connaître leur résistance face à la maladie et éviter l'utilisation systématique de fongicides. Depuis donc maintenant 5 ans, on a donc un réseau de parcelles au niveau de l'ITB. Je pense que cette année, il y en a à peu près 130 au niveau national, suivi par l'ITB mais par les prestataires également, ou des partenaires plutôt que des prestataires, donc les sucreries, les firmes phytosanitaires, les coopératives, voire aussi des semenciers, donc qui suivent des parcelles toutes les semaines, donc la même parcelle, avec des comptages de 100 feuilles, et toutes ces observations sont synthétisées et publiées sur le site de l'ITB. Donc il y a un module qui s'appelle Réseau Bête Fongi, qui est aujourd'hui aussi intégré dans le cadre plus général national des BSV, donc de viziculture. La priorité, c'est bien sûr la lutte contre la cercosporiose, puisque c'est la maladie la plus difficile à contrôler. Donc l'agriculteur peut avoir une idée de la pression de maladie dans sa région, je dirais même dans sa micro-région pratiquement. Alors c'est important, ça donne une idée de l'évolution des maladies à l'année. Par contre, il est clair qu'on ne va pas suivre toutes les parcelles, donc on demande à l'agriculteur, avant d'intervenir, au maximum d'aller observer dans ses parcelles, parce qu'il va y avoir des cas où la pression de maladie va être plus faible, donc il pourra différer son traitement, et des cas où au contraire, je ne sais pas, par exemple, une bordure des bois ou une vallée, où la pression peut être très forte, où là il sera indispensable d'intervenir très tôt. Il y a bien sûr la date du traitement, mais il y a aussi le choix du produit. Tous les fongicides n'ont pas la même efficacité sur toutes les maladies. Il est important aujourd'hui de réfléchir dès l'hiver à la conduite de culture pour éviter de se retrouver avec un nombre de traitements important durant l'été. Je dirais que le traitement fongicide n'est que la fin de tout un processus.